En vous présentant. Alors, on me met un petit message. Ouais. En vous présentant donc, les livres tarifs dans les archives de la manufacture de Sèvres. Donc, l'idée, c'était voilà, de vous présenter surtout un document que j'ai rencontré lors de recherches en salle de lecture, qui m'a vraiment fait de l'œil parce que c'est, oui, un document de tarif, mais illustré à merveille, comme les artisans de Sèvres savent le faire. Et j'avais très envie de vous le présenter. Mais je suis allée un petit peu plus loin parce que je trouvais intéressant de ne pas vous présenter un document isolé, mais de le remettre dans son contexte. Ça doit être un peu ma déformation professionnelle d'archiviste. Voilà, donc j'avais vraiment très envie de vous présenter l'ensemble dans lequel est conservé ce document. Un petit point d'abord sur le centre de documentation et des archives de Sèvres, simplement pour vous montrer la diversité de la collection qui est sous ma responsabilité. Un centre d'art graphique avec 50 000 dessins, des peintures dont le fonds de François Desportes, donc qui a été acquis par Dangivilliers dans les années 1780, très précieux. La collection des plâtres. Et puis, évidemment, les collections documentaires, les archives et la bibliothèque, qui est une bibliothèque d'usuel et une bibliothèque patrimoniale. Je fais vite sur cette présentation générale. Pour remettre aussi les choses dans son contexte, pourquoi les livres de tarif, je voulais quand même revenir rapidement sur le plan de classement des archives, qui est un cadre de classement 19e. Donc, voilà, un cadre de classement ancien, très méthodique, qui est organisé par thématique. Une première partie 18e, puisqu'on a la chance aux archives de Sèvres de conserver les archives depuis la création de la manufacture et son installation à Vincennes, ce qui est extraordinaire, disons-le. Et puis, une deuxième partie 19e, et on voit que les tarifs s'inscrivent aussi bien au 18e qu'au 19e, avec une série Y, qui va donc particulièrement nous intéresser, qui concerne l'administration, la gestion des comptes de la manufacture depuis l'origine, aussi bien donc au 18e qu'au 19e. Donc la série est à cheval sur ces deux périodes. La série Y, c'est aussi une série très appréciée des historiens et des chercheurs en salle de lecture, puisqu'on conserve les carnets de Jean Hélot, qui était donc chimiste et puis commissaire du roi à la manufacture de Vincennes dans les années donc 1750-1770. Et puis j'avais envie de vous montrer cette lettre de Louis XV qui charge donc Melchior François Parent, intendant de la manufacture de Sèvres entre 1772 et 1778, d'effectuer des recherches dans ses carnets et surtout de bien veiller à leur conservation. Donc voilà, c'est le début finalement de la sauvegarde des archives de la manufacture de Sèvres voulue par le pouvoir royal. J'ai fait aussi des recherches sur ce que pouvait en dire Georges Le Chevalier Chevignard dans son ouvrage sur la manufacture de porcelaine, dans lequel il indique justement que les livres tarifs ont peu été conservés au 18e, que nous avons peu de traces de ces documents. Il fait part justement de la conservation du livre tarif des décors d'assiettes, dont va nous parler Viviane, donc c'est aussi une bonne transition. Et puis il dit que finalement, c'est plutôt les dessins qui ont été conservés parce qu'il y a eu cette vocation par Alexandre Brongniart de conserver la mémoire de la fabrication des pièces de porcelaine à l'époque. Donc, on va voir que finalement, il en reste quand même un petit peu des livres tarifs, mais finalement, peu sont illustrés. D'où cette exception que j'avais envie de vous présenter. Alors, pourquoi ils ont été conservés? Pourquoi ils sont si bien organisés? Là encore, c'est une volonté d'Alexandre Brongniart, donc à la direction de la manufacture. En 1817, il observe que les tarifs ne sont pas réglementés, qu'on s'y perd, qu'on n'arrive pas à avoir un tarif uniforme, et puis que voilà, on a besoin de s'y retrouver. Donc, il établit cette note dans laquelle il mentionne que dorénavant, il va falloir dresser des listes de formes
avec les tarifs afférents et que toute évolution de tarif demandera à ce que soit créé un nouveau registre de tarifs. Donc, c'est grâce à lui qu'on a déjà cette merveille de registre de tarifs. Donc, c'est le Y22. Ce n'est pas celui qui nous préoccupe ce soir, mais encore une fois, pour le remettre dans son contexte, j'avais envie de vous le montrer. Donc, celui-ci date du début du 19e et donc met totalement en pratique les demandes de Brougnard, c'est-à-dire d'établir cette liste de formes avec donc en référence la forme. Donc, c'est très, très précieux pour les chercheurs parce qu'on a la chance d'avoir ce catalogue de formes déjà réalisé. Donc, pour la documentation, c'est super pour nous. Et en plus, ce registre de tarifs n'est pas unique puisque tous les ans, il est remis à jour en fonction de l'évolution des tarifs ou l'arrivée de nouvelles formes à inscrire dans les registres. Je voulais souligner le travail de mes prédécesseurs qui a réalisé un tableau Excel de ces formes dans lesquelles vous pouvez rechercher directement les formes qui vous intéressent. Ça, c'est en ligne depuis novembre, depuis mon arrivée sur le site internet. Donc, ça vous permet directement de taper le nom de la forme dans le fichier et de la trouver très facilement. Voilà, donc c'est un fichier Excel qui est dorénavant en ligne. Pour ce qui est des livres tarifs du 18e, je voulais revenir sur le fait donc qu'on en conserve depuis les années 1760-1770. Donc, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas l'apparence du livre tarif coté en Y22, c'est un peu plus fouillis. Mais en même temps, on voit aussi quand même des essais de dessin pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir essayer de comprendre de quelle forme on parle. Donc, on voit déjà cette volonté de vouloir s'y retrouver et d'identifier les formes qui sont mentionnées. Mais on voit aussi par ces documents la nécessité justement de créer ce catalogue de tarifs. Alors, j'en viens à notre livre de tarifs, donc star de la soirée. Donc, c'est un livre qui est coté en Y26, donc qui rejoint totalement la série que je viens de mentionner. Il est assez extraordinaire et on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas le conserver dans les arts graphiques parce que il a besoin aussi d'un traitement un peu particulier en conservation préventive. Puisque il y a des dessins à toutes les pages qui sont sensibles, qu'il va falloir vraiment faire attention pour sa bonne conservation. Mais bon, en attendant, moi je préfère le conserver dans les archives parce qu'il fait partie d'un tout et que surtout il est le témoin du fonctionnement de l'administration de l'époque. Donc je considère pour l'instant qu'il a toute sa place dans le fond des archives de la manufacture. Donc, ce livre de tarifs est assez exceptionnel par sa diversité. Donc, il mentionne pour les années 1820 à 1880 à peu près, donc une bonne partie du 19e, des décors. Donc, on a des décors de frises, des décors d'assiettes, des décors de vases et des décors de tasses. Donc, on peut voir que les frises ont bien été répertoriées sur les pages et qu'on a pu y attribuer à côté un tarif. Alors, on va revenir après sur la nécessité d'avoir élaboré ce registre de tarifs. Je me suis posé des questions d'archiviste, d'historienne, pourquoi ce livre de tarifs, qui l'a produit et pour quelle finalité. Je n'ai pas toutes les réponses, peut-être que quelqu'un voudra s'atteler à ce travail, mais j'ai quelques hypothèses. Donc, pour le moment, c'est juste très esthétique. On peut regarder au moins les pages avec ces magnifiques frises. Ces décors de soucoupe. On a également des décors d'armoirie ou de tasses, avec justement un essai d'afficher les tarifs qui sont donc lié au décor qu'on a décidé de créer. Et donc, voilà ma petite enquête sur le pourquoi du comment, le Y26, par qui et pour quels usages. Donc, j'ai regardé un petit peu le registre, j'ai vu quelques notes qui pouvaient être intéressantes pour essayer de savoir qui avait produit le document.
À mon sens, c'est un document qui a été produit par les ateliers de la manufacture. Il y a une petite note qui évoque le travail de Madame Ménestrel, qui travaillait au sein de l'atelier Brunissage dans les années 1810-1820. Et là, la petite note mentionne bien que cette dame a fait ce travail donc, d'établir les décors et de réfléchir aux tarifs qui sont associés aux décors. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est une demande de Brougnard à l'image de la procédure qu'il a mise en place en parallèle en 1817, justement pour y voir plus clair sur l'identification des formes et des tarifs. Et d'ailleurs, on peut voir que le document a été transmis à Brougnard. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense que ce document vient des ateliers, même des ateliers pour Brougnard, pour qu'il puisse ensuite officialiser les tarifs sur les décors. Mais c'est une hypothèse qui peut peut-être être encore approfondie. J'ai continué mon enquête et donc dans le Y22, j'ai trouvé donc cette note de Brougnard que j'ai présentée tout à l'heure, qui indique aussi que pour tout nouveau décor, les ateliers sont censés justement établir le décor, identifier le tarif et l'envoyer à l'administration de la manufacture. Donc voilà, tout ça nous permettrait de pouvoir identifier le fait que ce livre des tarifs provient des ateliers. La richesse des décors aussi peut permettre cette hypothèse. Quand on est dans l'administration, on ne s'amuse pas à élaborer une magnifique frise ou un décor pour établir un tarif. Donc voilà, l'hypothèse, c'est que ce document provient des ateliers et qu'il a été envoyé ensuite à Brougnard pour valider les tarifs. Justement, à contrario, je voulais vous présenter une feuille d'appréciation qui, là, est établie par l'administration de la manufacture où on a justement peu de décors, mais la traçabilité de la pièce et puis son entrée en magasin de vente et puis au final le tarif total de la pièce. Voilà, donc ça, ce sont les feuilles d'appréciation qui sont conservées dans la série PB. Voilà, donc c'est pas le même type de document. Donc, je me suis amusée à sortir quelques pièces du livre tarif et puis j'avais envie de vous montrer la complémentarité des fonds entre justement les archives pures du fonctionnement de l'administration de la manufacture, comme ce livre tarif, avec le cabinet d'art graphique ou d'autres séries du fonds d'archives de la manufacture. Donc, premièrement, ce pot à crème Fragonard qui a servi à la publicité de la conférence de ce soir. Donc, ce pot à crème Fragonard a deux illustrations dans le livre tarif, avec donc deux possibilités de décor, un décor plus coloré ou un décor doré. Et on peut imaginer que le décor qui a été validé est le deuxième, puisqu'on retrouve le dessin de ce pot à crème ensuite dans le cabinet d'art graphique. Donc là, on quitte le livre tarif côté en Y26 et on a ce projet de décor également dans le cabinet d'art graphique qui pourrait nous faire supposer que c'est bien ce décor-ci qui a été validé. On retrouve également dans le cabinet d'art graphique la forme du pot à crème. Et puis, dans les collections du musée que connaît bien Viviane, un pot à crème qui n'a pas ce décor-ci. Mais voilà, on retrouve bien la même forme. Je voulais vous montrer aussi l'utilité du registre des tarifs coté en Y22 que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on retrouve bien notre pot à crème dans les différentes formes. Donc, il porte le numéro 11 de la planche que vous avez sous les yeux. Et donc, on le retrouve également dans la liste des formes, donc au numéro 11, pot à crème Fragonard. Voilà, donc tous ces documents nous permettent finalement de tracer les pièces et de nous assurer de la dénomination officielle du,
de l'objet, de la pièce, et puis ensuite de pouvoir la tracer dans l'ensemble des registres qui sont conservés dans le fonds de la manufacture, que ce soit les registres de vente, les registres de peintre, les registres ensuite de sortie des pièces de la manufacture. Donc, j'ai refait ce travail avec les décors pour la tasse citron, aussi parce que je ne pouvais pas ne pas vous montrer de décors de fleurs, parce qu'ils sont magnifiques. En tout cas, moi, ils me plaisent beaucoup. Et puis, on verra qu'ils font aussi beaucoup écho à ce que Viviane vous montrera tout à l'heure. Donc, la petite rose phare de Sèvres. Et puis, donc, la fameuse tasse citron. Donc, si on se pose la question de savoir quelle forme exacte à cette tasse. Donc, on peut retrouver dans le cabinet d'art graphique le modèle de forme de la tasse et puis encore retourner au registre des tarifs Y22, là qui nous perd un peu puisqu'on se rend compte que voilà, des formes de tasse litron, il y en a beaucoup. Mais si on se réfère justement au tableau joint à la planche, que je n'ai pas mis ici, on aura la liste complète de l'ensemble de ces tasses citron qui nous permet justement de s'y retrouver. Tel était le vœu de Brongniart quand il a décidé de mettre en place cette procédure. Et puis, juste pour le plaisir, quelques tasses litron justement avec décor de fleurs. Alors, je n'ai pas trouvé de décor 19e qui répondrait directement au registre des tarifs. Ceux-ci sont des décors 18e, mais... voilà, ça donne une idée finalement de ce qui a pu être appliqué sur les tasses. Rapidement, ce décor de frise, donc à gauche, qui provient de notre registre des tarifs. Et puis en écho, un dessin du cabinet d'art graphique où on retrouve cette frise, ou en tout cas une inspiration très proche de cette frise sur une des tasses litron. Et enfin, je me suis amusée un petit peu avec les décors d'assiettes, déjà parce qu'ils sont magnifiques et que j'avais envie de vous les montrer, mais aussi parce que ça me permettait de vous parler des sources complémentaires qu'on peut avoir en approfondissant un peu la recherche. J'avais envie de vous parler des registres VJ', qui sont les registres de peintres, dans lesquels on va retrouver finalement la trace des pièces qui sont créées. Donc là, on a un décor par le peintre Didier, réalisé entre 1819 et 1821. Et si donc, on s'amuse à aller regarder dans le registre VJ' de l'année 1821, donc ces registres sont classés par année. Donc on a un registre par année et ensuite on a par peintre la liste des pièces qu'ils ont décorées dans l'année. Donc c'est très très précieux pour pouvoir tracer les pièces. Et donc, si on regarde à Didier, on va bien retrouver les assiettes avec donc ce décor de tête en brun, par exemple pour la pièce de droite, avec un prix donc à 12 francs qui est mentionné également dans le registre des tarifs. Voilà, donc si on peut recouper l'information, ça nous permet de pouvoir confirmer nos hypothèses, ou en tout cas la première information qu'on a eue en recoupant l'ensemble des informations qu'on peut retrouver dans les archives de la manufacture. Donc, pour faire un petit peu de pub, les registres de VJ' sont en cours de numérisation. On espère pouvoir continuer encore l'année prochaine. Cette année, on en a numérisé une dizaine qu'on va essayer de mettre en ligne sur le site internet de l'établissement, tout simplement pour permettre une consultation à distance de ces registres et puis aussi les sauvegarder, parce que la conservation de ces registres demandent beaucoup de travail, ils sont assez abîmés, justement parce qu'ils nous sont très précieux et très riches, et que voilà, il y a un moment où il va falloir les mettre un peu au repos. Donc voilà, la numérisation nous permet cela, de pouvoir faire cette consultation à distance et ne plus sortir les originaux. Et puis voilà, j'ai deux exemples assez sympathiques de pièces de Sèvres qui reprennent justement totalement les décors inscrits dans le registre des tarifs. Donc, vous avez ici une tasse dont on retrouve totalement le décor inscrit dans le registre des tarifs. Donc, ça permet encore une fois de tracer
la pièce, de savoir quel était le prix de ce décor, et puis ben, encore d'aller plus loin en consultant les registres de peintres ou la série PB, donc sur les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure avec les feuilles d'appréciation. Donc voilà, ça nous permet voilà, de pouvoir amorcer cette recherche. Et donc une deuxième tasse qui reprend également le décor du livre des tarifs, donc qui est en collection privée. C'est la même collection que la précédente. Voilà pour ce qui est du livre des tarifs, donc côté en Y26. Avant de passer la parole à Viviane, je voulais juste faire un petit point d'actualité du service des collections documentaires, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées grâce à des achats qu'on a effectués pour le service auprès des maisons de vente. J'avais envie de vous en parler parce qu'on est très, très, très heureux de ces acquisitions. Donc, l'acquisition phare, c'est le projet de décor par Jean-Baptiste Isabelle qui a été préempté à Drouot fin mai. Viviane savait que j'en parlerais, je ne pourrais pas le faire. Non, je suis très contente parce que c'est vrai que l'estimation était très élevée, que ce n'était pas gagné. Et pour nous, c'était quand même voilà, naturel que ce projet de décor revienne à la manufacture de Sèvres. C'est un projet de décor réalisé pour Sèvres par Isabelle, pour une table qui devait représenter la famille impériale. Donc, on y voit Napoléon et Marie-Louise. Cette table n'a jamais été faite, mais le projet de décor, lui, est essentiel pour bien comprendre le projet. On a également acheté une lettre de Jean-Baptiste Isabelle. Donc, il n'y avait pas de lien, hein, ce n'est pas la même vente, mais voilà, c'est le hasard de Drouot. Et donc, cette lettre date de 1838. C'est une lettre de Jean-Baptiste Isabelle qui écrit à son ancienne élève Henriette Ratt, qui a également travaillé à la manufacture de Sèvres. Voilà, pour lui parler de son travail à la manufacture. Donc, voilà, on trouvait très intéressant de pouvoir l'acquérir également. Et enfin, mon dernier achat, oui, je sais, je suis très dépensière, mais ça vaut le coup, à mon sens. Vous avez ici un dessin de Jean-Charles Develly. Alors, on a déjà une collection très complète des dessins de Develly pour le service des arts industriels. Mais en plus, celui-là est vraiment exceptionnel puisqu'il représente la fabrication de la porcelaine à Sèvres, où on peut y voir le travail des sculpteurs et des garnisseurs donc, à l'époque de Develly en 1823. Donc, on ne pouvait pas laisser passer. Voilà. Merci beaucoup. Parce que juste un petit point technique, parce qu'on va changer de PowerPoint et on va pouvoir enchaîner. Je vais pas en dire. Oui. Alors, on va remonter un petit peu le temps. Vous m'entendez bien? Tout va bien. On va remonter un petit peu le temps, effectivement. Maintenant, on va passer à la présentation. Pas trop vite, merci. À la présentation d'un rare document qui est conservé aux archives de Sèvres, effectivement. Seul livre tarif du XVIIIe siècle, richement illustré, vous allez voir. Contrairement presque, j'ai envie de dire, à ce que Clotilde a présenté précédemment. Et un document qu'on appelle le R182, tout simplement puisque c'est sa cote. Donc, je vous parlerai du R182 ce soir, qui effectivement est consacré exclusivement à des décors d'assiettes. Alors, oui, tout va bien. Donc, il se trouve qu'en 2020, en partenariat avec l'organisation du Salon du Dessin à Paris, le musée de Sèvres organisait un accrochage, une exposition dans une salle que vous connaissez peut-être, qui est la salle à l'étage tout en haut du musée, au troisième étage, deuxième ou troisième étage, en tout cas dans les combles du musée, la salle Marmottan. Une exposition qui était intitulée « Un jardin de papier et de porcelaine », qui malheureusement, en raison de la crise sanitaire, n'a pas pu être présentée au public, alors que comme vous le voyez devant vous, elle a été complètement montée. On a fait des photos avant de décrocher. Les visiteurs n'ont pas pu la voir. Et du coup, on lui a donné une existence virtuelle. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette exposition, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle tout de suite. Vous avez un lien sur le site internet de notre institution.
Je vous montre quelques images de cette exposition au sein de laquelle on devait présenter ce R182. Il pouvait être, à cette occasion, à l'occasion de cet accrochage, être montré au public et finalement, il n'a pas été présenté au public. Mais, et c'est pour ça que ma conférence était prête si rapidement, en fait, je présentais également dans le cadre du Salon des sciences ce R182. Et donc, c'est pour ça que je fais la chance de vous le représenter un peu ce soir. Vous êtes en plus un public beaucoup plus nombreux au Salon du Dessin, donc je suis vraiment ravie. Donc je vous présente juste quelques vues de cette exposition, où l'idée, c'est évidemment de faire un parallèle entre les collections du musée, les collections céramiques et les arts graphiques. Et c'est un peu ce que je vais faire en vous présentant le R182. On avait notamment un mur assez exceptionnel dans cette exposition. Pour le coup, on regarde vraiment que les visiteurs n'aient pas pu voir cet accrochage. On avait un ensemble de feuilles Art Nouveau, notamment, méconnues. Ça concerne finalement assez peu de céramique pour la période Art Nouveau, qui est quand même une période assez florissante au sein de la manufacture, qui donne naissance à des décors et à des formes assez sublimes. Mais on se rattrape dans le cabinet d'art graphique, je dirais, parce qu'on a quand même un fond assez riche. Et donc là, vous aviez des feuilles, notamment de base, enfin, des dessins de base de Gabriel Roux, de Léon-François Richard, de Léonard Chebleu. Donc, on est vraiment autour de 1900, début du XXe siècle. Un ensemble donc, de compositions assez belles que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'exposition. Et donc, dans cette exposition, on présentait le R182. En parallèle, justement, je vous montre vite fait, vous voyez les assiettes, les cinq assiettes de gauche qui sont des assiettes 18e, devaient être présentées juste à côté du R182, parce que les décors qu'elles contiennent sont liés aux décors que je vais à présent vous présenter dans ce document. Tel que vous le voyez là, il est installé, je dirais, dans sa boîte de conservation. Effectivement, Clotilde est revenue sur les enjeux importants de la conservation, les arts graphiques, les papiers sont des matériaux fragiles. Le R182, parce que c'est un ouvrage aussi fermé, a pu conserver du coup la richesse de ses coloris. Vous allez voir, c'est assez sublime, sachant que c'est un document qui date de la fin, seconde moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc là, il était juste ouvert dans sa boîte de conservation. Donc ce R182, c'est un registre un peu particulier, un livre tarif, sur lequel en fait, on voit apparaître un certain nombre de modèles de décors d'assiettes. Qui ont été réalisés pour la plupart d'entre eux. Je ferai un parallèle justement avec certains services assez connus, vous verrez dans le panorama, dans ma présentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un tas d'annotations dans les marges qui permettent de revenir sur les commanditaires, sur les prix justement de ces pièces qui ont été réalisées pour la plupart dans les années 1780, voire 1790. Ce qui est assez frappant de ce recueil de décors, donc je vous montre ici une autre page. Donc vous voyez, c'est un volume assez haut, je ne sais plus la taille exacte, mais c'est un volume assez important. Vous avez, donc ça c'est le sens de lecture en quelque sorte, vous verrez que parfois je vais faire basculer les slides pour qu'on puisse mieux apprécier plus en détail les décors, vous comprendrez pourquoi. Ce qui est frappant dans ce livre d'arrif, c'est l'omniprésence des fleurs. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ah oui, effectivement, si vous éteignez les lumières, on en parlait. C'est peut-être à alors là, je n'ai pas les infos exactement pour cette slide, mais je vais vous en montrer plus en détail. Vous verrez tout à l'heure, un petit peu de patience. En général, vous avez des informations de numéro de modèle. Donc, vous avez des petits N et un chiffre, c'est le numéro de modèle. Vous avez le prix de chaque décor. Donc, je vais vous montrer des détails tout à l'heure, vous verrez. Vous avez aussi souvent le nom de la personne pour qui a été réalisé le service, par exemple. Et parfois des petites annotations, des petits détails par rapport à l'adaptation qu'il fallait faire du décor. Donc voilà, ce qui est assez frappant dans ce registre, c'est l'omniprésence véritablement des fleurs, toutes leurs boutures. Vous allez voir, c'est un petit peu le sujet de ma conférence ce soir. Je vais rentrer un petit peu dans l'analyse détaillée de ce R182. Les fleurs, c'est presque un outil de séduction, véritablement un outil commercial, hein, finalement. Pour la manufacture de Sèvres. Et c'est vrai qu'elle figure véritablement parmi d'ailleurs les plus premiers grands succès commerciaux hein, à la manufacture dès les années 1740, que ce soit les fleurs peintes ou aussi les fleurs en relief. Vous connaissez probablement ces fleurs en pastillage, donc les fleurs vraiment en trois dimensions, qui ont fait le grand succès dès les années 1740 de la manufacture. La fleur, les fleurs, c'est vraiment un motif essentiel dès les années 1740 à la manufacture de Sèvres. Le R182 a été relativement peu étudié. Il faut quand même rendre hommage à Marcel Brunet, qui, dans les années 1960, a écrit un article publié dans Connaissance des Arts. Mais depuis, finalement, ce n'est pas un registre, un livre d'arrivée qui a été abondamment étudié. Mais donc, voilà, elle avait fait un article sur ce registre. Malgré tout, on le voit,
utilisée, je dirais, dans certaines publications, notamment dans les publications qui sont consacrées à certains célèbres services. Donc là, évidemment, je vous montre un détail du verset 82 avec une assiette du service des Asturies. Je présenterai tout à l'heure en détail le service des Asturies, qui est un cadeau diplomatique de Louis XV à sa petite-fille, future reine d'Espagne. Et Dorothée Guillemet-Brulon, qui a consacré un livre au service des Asturies, a utilisé des illustrations, notamment dans le verset 82. Mais c'est vrai que souvent, on voit dans les articles et dans les publications consacrées au service de table apparaître le verset 82. Donc, je vous disais, le verset 82, l'unique livre tarif aussi richement illustré en tout cas du XVIIIe siècle, il semblerait qu'en fait, il s'agisse véritablement d'une mise au net d'un certain nombre de décors qui étaient proposés en fait, aux clients de la manufacture. Mise au net qui nous dit, Madame Brunet, dans les années 1790, en fait, elle trouve mention de travaux de certains peintres de la manufacture, de mise au net de ces décors qui avaient été proposés donc, aux clients de la manufacture. Décors réalisés à la gouache, avec également des rouleaux d'or. Vous verrez dans les détails, c'est vraiment assez éblouissant par la qualité du décor, d'autant qu'il est très bien conservé. Donc, on voit vraiment le côté très brillant des décors. De manière générale, vous avez une répartition comme ça. Donc là, j'ai vraiment fait basculer le registre, mais vous avez deux assiettes en général qui se posaient comme ça. Parfois, vous avez des fragments, des petits bouts d'assiettes pour proposer un énième décor. Soit les assiettes présentent un décor unique, soit vous avez aussi des petits fragments comme ça, des assiettes qui sont découpées en moitié, en quart, en tiers, etc., pour bien sûr proposer une multitude de décors à la clientèle, tout simplement. Finalement, la répartition est plus ou moins toujours la même, avec ces deux grandes assiettes ou des fragments, si ce n'est à la fin du registre. Là, c'est un petit peu cafouillage. Vous voyez, dans la slide précédente, je vous montrais une page avec cette mise au net caractéristique de ce verset 82, mais vraiment à la fin de l'ouvrage, vous allez avoir un ensemble de feuilles qui sont collées comme ça les unes à côté des autres, parfois de manière un petit peu anarchique, avec souvent des modèles de décors plus tardifs. On est vraiment dans les années 1790, on approche de l'année 1800, donc on est vraiment très tardif, souvent dans le style arabesque pour cette fin du registre, alors qu'un petit peu plus tôt, dans les premières feuilles, en tout cas dans la première grosse moitié du verset 82, on est plutôt dans les années 70-80, fin du règne de Louis XV, début du règne de Louis XVI, et c'est vrai qu'on voit quand même un style assez caractéristique de ce qui se fait à cette époque-là, et donc du néoclassicisme notamment. Ce qui est assez fascinant dans ce registre, donc c'est ce soin du détail dont je vous parlais tout à l'heure, ouache et rouleau d'or, et puis aussi ce soin du détail, il se voit dans le côté ombré des motifs. Par exemple, vous voyez l'assiette, on voit très bien sur la tranche à droite, un effet de profondeur qui est créé par une ombre comme ça, merci. Les petits détails également du décor à l'or, vous avez la même, des petits effets d'ombre en quelque sorte qui créent un effet de profondeur dans le décor à l'or et qui évoque là aussi probablement la technique du brunissage, brunissage à effet qui était et est toujours pratiquée à la manufacture et qui consiste bien sûr à révéler l'or qui sort du four à ses pairs, donc en le brunissant, en le travaillant avec des pierres dures, on va révéler sa brillance en quelque sorte et on peut brunir avec des niveaux différents pour créer des effets de profondeur, des effets de brillance un peu différents qui créent des effets de relief assez subtils. Donc c'est probablement ce qu'évoque les effets d'ombre dans l'or. Comme je disais tout à l'heure à madame, dans les marges, vous avez toujours en général le numéro du motif, si vous voulez, et le prix qui est indiqué. Donc ici, par exemple, l'assiette en haut, vous voyez 24, en bas 72 livres. Clairement, on comprend la différence de prix aussi par l'élaboration plus ou moins importante du décor, la présence plus ou moins riche aussi de l'or. On a une assiette plus simple en partie haute, une assiette plus richement ornée avec un décor plus complexe en partie basse, d'où la différence de prix sur cette pièce. On a aussi plein d'annotations, donc cette page-là est assez spectaculaire. Parfois, c'est vraiment très, très annoté, selon aussi l'importance du commanditaire auquel était réservé ce type de décor. On voit apparaître l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur de Venise, etc. Je vous montre un détail justement du modèle que vous avez en bas à droite avec ce fond gentil qui est assez propre à la fin du XVIIIe siècle. Vous devez lire « Ministre du Landgrave de Hesse-Cassel ». Effectivement, ce modèle 158, dont le prix était 27 livres, ce qui n'est pas extrêmement cher, a été livré au ministre du Landgrave de Hesse-Cassel dans les années 1790. C'est une commande qui a été ordonnée par le gouvernement.
avec ce fond jaune qui est très caractéristique de la fin du XVIIIe siècle. On a tout un décor également de guirlandes, de petites fleurs de barbeau, de petites fleurs de rose également. Vous verrez, je parlerai des fleurs qui reviennent systématiquement dans ce registre tout à l'heure. Autre modèle de décor, ici une assiette. Là, vous avez 36 livres, cette fois-ci dans la marge. Et vous voyez le duc de Saxe-Station, c'est un cadeau pardon, qui a été offert en 1786. Plus tôt, c'est un présent de Louis XVI, et donc le duc de Saxe-Station, gouverneur des Pays-Bas, dans les années 1780-1792, avait reçu ce service. Pour info, il était marié à l'une des sœurs de Marie-Antoinette. C'est un personnage assez important. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un certain nombre de services, grâce aux annotations comme ça, sont bien identifiés. Il y en a d'autres qu'on connaît très bien, donc on les reconnaît assez aisément. Ici, je vous remontre à gauche, la page du R182, un détail avec une assiette du service de la princesse des Asturies et une pièce à droite, une assiette qui est conservée au Musée national de céramique, musée qui a la chance de conserver un nombre assez important de pièces, aussi bien des assiettes que d'autres pièces de forme. Je pense notamment à un seau à bouteille, des plateaux également de terrine. Voilà, un certain nombre de pièces qui sont présentées dans les collections du musée. Mais voilà, c'est un service qui est produit à partir des années 1774, qui est un cadeau diplomatique à l'origine du roi Louis XV pour sa petite fille, future reine d'Espagne. Un service qu'elle va beaucoup apprécier, cette princesse, puisqu'elle va redemander à plusieurs reprises de se faire livrer des assiettes, des pièces de ce service. Voilà, on passe sous le règne de Louis XVI quand les envois sont réalisés, parce qu'en fait, je vous ai dit, la fabrication commence en 1774, en fait, Louis XV meurt, donc c'est vraiment Louis XVI qui va expédier en Espagne ce cadeau diplomatique. Louis XVI qui va un peu se lasser de ses commandes à répétition de cette personne sur les frais de la couronne. Et donc, finalement, elle va compléter ce service à la princesse des Asturies avec des pièces qui vont être réalisées en Espagne, à la manufacture du Buen Retiro. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on voit des différences techniques entre les pièces réalisées à Sèvres de ce service et les pièces réalisées en Espagne. À Sèvres, on dit souvent de ce service que c'est le premier service réalisé en pâte dure, cette fameuse porcelaine chinoise. Ça y est, on arrive enfin à Sèvres des services avec ce matériau. Effectivement, en Espagne, ils vont utiliser un autre matériau, de la porcelaine tendre, ce que faisait auparavant Sèvres. Et donc voilà, donc ce qui fait que le service est un peu hétéroclite, en grande partie aujourd'hui conservé au Palais Royal de Madrid, et il conserve donc des pièces produites à Sèvres et à la manufacture du Buen Retiro, qui a donc repris les motifs de la manufacture. Je voulais juste vous montrer une pièce donc, qui concerne le musée, qui est ce seau à bouteille, et en particulier sur cette slide, je vous montre à droite le revers du seau, et vous voyez comme dans le seau, on a réutilisé un des motifs du R182 qui était présenté pour une assiette. Vous avez une petite scène militaire, en quelque sorte, avec ici ces canons. Donc voilà, on voit la transcription, je dirais, et l'adaptation au matériau porcelaine aussi de ces motifs décoratifs peints et dessinés. Et ici, donc, à droite, transcrit sur les pièces en porcelaine. Je vous montre un autre service célèbre dans lequel on peut faire le parallèle entre le R182 à gauche et donc l'assiette à droite, conservée au château de Versailles. C'est bien sûr le service riche en couleurs et riche en or, livré pour la reine Marie-Antoinette. Alors, c'est un service qui a une histoire assez amusante. Donc Marie-Antoinette appréciait beaucoup la manufacture, a commandé au moins 4 services à la manufacture de Sèvres dans les années 1780, dont celui-ci, mis en fabrication en 1784. Mais pas de chance, je dirais, pour elle, quand Gustave III de Suède va venir visiter notamment la manufacture de Sèvres, va venir lors d'un voyage diplomatique en France, il va récupérer en quelque sorte ce service qui était mis en production pour elle, c'est un cadeau que lui fait Louis XVI, et donc tout de suite, après avoir réalisé ce cadeau diplomatique à Gustave III, elle fait relancer un deuxième service avec le même motif, qui sera cette fois-ci destiné à son propre usage. Service dit riche en couleurs et riche en or, je pense que vous comprenez pourquoi, ça fait partie des services les plus riches produits là aussi à la manufacture. Avec un décor, je vous montre un détail assez complexe pour son élaboration, plusieurs fonds de couleurs. C'est assez amusant d'ailleurs de voir le parallèle entre le R182 en haut et la transcription en porcelaine avec les nuances de couleurs un petit peu différentes. Forcément, la transcription en porcelaine implique des différences. On retrouve en tout cas dans ce service les caractéristiques, je dirais, des services appréciés par la reine, des motifs de pensée, des motifs de fleurs, de roses, de barbeaux, et aussi ces petites perles que vous voyez dans les petits cartouches circulaires là, qui bordent sur la bordure de l'assiette.
Donc, ce service, riche en couleurs et riche en or, plusieurs pièces sont conservées au château de Versailles. Donc là, je vous montre une pièce conservée au château, justement. Et c'est un service qui comprenait plus de 300 pièces. Donc, c'est quand même un service assez, assez colossal. Alors, comment sont représentées notamment les fleurs dans ce R182, je dirais de manière un petit peu variée, tantôt plus stylisée, tantôt plus naturaliste. Là, je pense que dans cette slide que je vous montre, vous voyez assez bien, vous avez presque des fleurs qui deviennent un motif complètement déconnecté de la réalité dans l'assiette centrale, avec ces petites touches dorées presque, qui sont bien des petites fleurs. Et en revanche, dans l'assiette en partie inférieure, vous retrouvez ces roses, ces pensées notamment, traitées de manière beaucoup plus naturaliste. Les fleurs sont parfois aussi traitées sous forme de bouquets qui s'éclatent en quelque sorte au centre des assiettes. Donc là, on voit assez bien sur ce détail d'une assiette avec un bouquet qui rassemble plusieurs variétés de fleurs, même une grappe de raisin, une sorte de nature qui explose dans ce détail. Vous avez également des petites guirlandes de fleurs qui forment les ornements souvent des bordures des assiettes, notamment. Et vous avez également, sous forme de motifs un peu répétés, donc un petit peu stylisés là aussi, un peu répétitifs, qui reviennent au centre de l'assiette, comme sur la bordure de l'assiette. On a aussi la couronne, hein, autre déclinaison de l'application de la fleur, ici, qui accompagne de délicats papillons, qui constituent les rares motifs animaliers qu'on voit dans ce R182, mais qui était quand même assez fréquent dans les décors de porcelaine de Sèvres. Et autre application également pour les décors de fleurs, c'est le semis de fleurs, comme ça, où les fleurs sont jetées un petit peu de manière libre, en fait très précise, pour les peintres, voilà, les semis de fleurs qui sont toujours réalisés aujourd'hui à la manufacture. Les fleurs les plus courantes, je dirais le top 3 de fleurs qu'on trouve dans ce R182, ce sont les pensées d'abord, les barbeaux. Les barbeaux non vulgaires qui sont utilisés justement pour désigner ces petits bleuets, ces petites fleurs qu'on voit souvent traitées de couleur bleue, mais aussi parfois à la manufacture de Sèvres, elles sont déclinées de manière multicolore. Je pense notamment à une pièce, à une écritoire qui est conservée au château de Versailles qui faisait partie des collections de Madame du Barry. Donc là, vous avez les pensées. Je n'ai pas résisté à vous mettre ce portrait que moi, j'ai découvert lors de l'exposition qui se tenait, alors maintenant à Dijon, mais à Nantes, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, sur la mode. Et en fait, c'est un très beau portrait qui représente Ménageau par Marie-Victoire Lemoine. On est dans les années 1780 et j'adore ce portrait parce que vous voyez, la mode des barbeaux, elle n'est pas juste sur la porcelaine. Elle est vraiment dans les arts décoratifs de cette époque-là, dans les années 1780. Et donc, il a un gilet couvert de barbeaux assez étonnant. Et c'est vrai qu'il y a de toute façon un lien très fort. C'est de Lemoine. En fait, il avait été attribué à, je crois, l'abbé Guillard. Et maintenant, en tout cas, sur leur site internet, ils le mettent à Marie-Victoire Lemoine et conservé au château de Versailles. Oui, c'est Ménageau, le peintre. Ménageau, oui. François-Guillaume Ménageau. Et donc, voilà, c'est la mode de l'époque est assez caractéristique. Et on voit souvent le lien entre mode, enfin, le textile, les motifs textiles et la porcelaine, c'est assez frappant. Voilà, tout à fait. C'est assez frappant à cette époque. Autre motif de fleurs très courant dans le R182 et donc à la manufacture de Sèvres sont pensées, qui se déclinent ici de manière un petit peu différente, toujours un petit peu dansant, ces pensées. Et bien sûr, la rose. Alors, la rose à Sèvres, je pense que vous en avez tous entendu vous parler, mais je vais quand même vous en parler un petit peu plus en détail. Elle est déclinée de manière très, très diverse, plus ou moins épanouie, plus ou moins ouverte, plus ou moins fermée. Et pour en parler un peu plus, je fais une petite incise, petit aparté sur le service du comte de Sartines, qui est quand même assez emblématique dans le traitement des roses à la manufacture de Sèvres, d'autant qu'il est toujours aujourd'hui à la manufacture un service extrêmement important, notamment pour la formation des peintres. Je vais détailler tout de suite. Donc, le service, donc, vous avez une pièce ici, ici c'est un seau à verre, le service du comte de Sartines. Le comte Antoine de Sartines, c'est un lieutenant de police de Paris, c'est un personnage assez connu, il a été secrétaire d'État à la marine également. Il se fait réaliser donc, dans les années 1770 ce service décrit dans les archives à rose et mosaïque. Rose, vous voyez pourquoi, et le motif de la partie supérieure avec ces petits perles, entre guillemets, ces petites touches circulaires désignées comme mosaïque dans les archives. Donc, Sèvres, à nouveau, le Musée national de céramique de Sèvres possède un certain nombre de pièces de ce service, dont seulement deux sont présentées actuellement.
Et peut-être que vous l'avez vu, ce service présenté à l'Hôtel de la Marine lors de l'inauguration l'année dernière, je crois que c'était en avril-mai, je ne me souviens plus. Ils ont présenté donc une table un petit peu spectaculaire avec les huîtres renversées. Et sur la table, c'était un certain nombre de pièces du service de Comte de Sartine qui avait été mise en dépôt par le musée. Depuis, il a été remplacé par un autre service, également qui appartient au Musée national de Sartine, qui est en dépôt là-bas. Et donc, nous, on a pu récupérer quelques pièces qu'on présente en partie donc, dans les vitrines du musée. Ce service, il est assez amusant parce que, vous voyez, donc pour le service du comte de Sartine, on voit les armoiries de ce monsieur qui joue sur des armoiries parlantes, je veux dire, où vous avez des motifs de sardines pour évoquer la sartine. Ça m'amuse toujours de monter ces petites sardines. C'est assez amusant. Donc, c'est un outil, c'est un service vraiment qui se caractérise par ce décor, mais je dirais, attention, on dit service sartine parfois de manière abusive, c'est-à-dire que ce décor-là que vous avez sous les yeux, en fait, un certain nombre de personnages importants à la fin du XVIIIe siècle ont commandé des services roses et mosaïques. Donc, vraiment, les pièces qui ont les armoiries, comme le sceau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment, on a les armoiries de sartine, donc on est sûr que c'est bien un service sartine, mais en fait, dans les années 70, etc., 80, même 60, vous avez le duc de Choiseul, le comte d'Artois, par exemple, qui ont eu des services à roses et mosaïques. Donc, on voit même passer sur le marché de l'art parfois des pièces avec ce décor-là, mais selon la datation, on peut attribuer le destinataire, je dirais définir le destinataire de ce service. Je vais l'appeler service sartine communément pour désigner ce décor. Comme je vous disais, c'est un service qui est extrêmement important, déjà très apprécié sous l'Ancien Régime, très important aujourd'hui encore pour la formation des peintres de la manufacture, ce qui fait que très souvent, on me sollicite, les peintres de la manufacture me sollicitent pour leur prêter des pièces. On conserve un certain nombre, comme je vous disais, leur prêter des pièces pour réapprendre, enfin apprendre plutôt, à vraiment à se former pour peindre les roses en reprenant ce motif de ce service. Pourquoi c'est ce service-là qui les inspire particulièrement pour leur formation? Parce qu'en fait, d'une part, les roses, ils sont traités de manière particulièrement naturaliste. En semis, le semis, c'est en fait une composition qui a l'air tout à fait naturelle et spontanée et facile, mais en fait, c'est une construction assez complexe pour les peintres de la manufacture, parce que ça implique de disposer les fleurs d'une certaine manière pour qu'il y ait un effet d'équilibre d'ensemble. Donc, il y a la difficulté du semis pour eux. On a des orientations également un petit peu différentes des fleurs, des ouvertures souvent des fleurs un petit peu différentes, plutôt en bouton, plutôt plus ou moins épanoui, plus ou moins ouvert. Donc, c'est un motif complet, si vous voulez, et complexe, du coup, mais qui est donc toujours un outil de formation pour ces plantes à la manufacture. Du coup, je m'amuse à vous montrer un petit peu des choses contemporaines, je dirais. Alors là, c'est un dessin à l'aquarelle d'une peintre de la manufacture qui s'appelle Nadine Préteux, qui vient tout juste de partir en retraite. Et donc, c'est justement un dessin qu'elle a fait il y a à peu près une trentaine d'années, normalement, quand elle est arrivée à la manufacture pour apprendre à dessiner la rose, parce qu'il les peintres, avant de peindre sur porcelaine à la manufacture, doivent maîtriser le dessin, l'aquarelle, etc. Donc, elle m'expliquait dans ce dessin comment on voit le développement, comment on construit petit à petit la rose sur le dessin, enfin, par le biais du dessin et ensuite sur la porcelaine. Je vous montre ici l'aquarelle d'une autre apprentie qui travaille, qui se forme actuellement à la manufacture et dont je n'ai pas retenu le nom, mais je suis désolée pour elle. Donc, on voit un petit peu à la fois les recherches de couleurs en partie haute et puis différentes compositions de roses, puis ensuite associées à d'autres fleurs. On voit notamment une tulipe en bas à droite. Et ensuite, les outils techniques de ces peintres aujourd'hui, de cette apprentie en l'occurrence, qui ensuite passe à la transcription en porcelaine. Et puis, vous avez le nom de la jeune fille, oui, Clémentine Matto. Charles Matteau. Donc voilà, donc on voit les recherches effectuées pour transcrire en porcelaine avec les recherches de couleurs, bien sûr, que cela implique. Et ici, une pièce en cours de réalisation, ce qui fait que la tonalité rose n'est pas du tout la tonalité définitive. Elle est en cours de peinture, donc il y a eu au moins une première cuisson, mais elle va être repliquée, c'est-à-dire que rechargée en couleur, ce petit coquille, et voilà, il n'est pas dans son état final, donc il est en cours d'élaboration. Je trouvais intéressant de vous montrer le parallèle entre les fleurs et ce registre. Mais vraiment, ces fleurs sont un motif essentiel aujourd'hui pour les peintres de la manufacture. Oui, de toute façon, les fleurs à la manufacture de Sèvres, c'est clairement un motif essentiel, un motif emblématique qui a fait le succès aussi commercial de cette manufacture. On a même des peintres au XVIIIe siècle, mais même au-delà, qui se sont spécialisés dans le genre des fleurs avec, comme à l'Académie royale de peinture et sculpture, finalement, une hiérarchie des genres. Le peintre des fleurs n'est pas forcément celui qui est situé le plus haut hiérarchiquement par rapport au peintre de figures, par exemple, qui était Charles-Nicolas Dodin, hiérarchiquement supérieur, en quelque sorte, par rapport au peintre de fleurs, qui était pourtant très nombreux. Ici, je vous montre à nouveau une assiette
du service riche en couleurs et riche en or de Marie-Antoinette, conservé toujours au château de Versailles, peint par Geneviève Taillandier. Donc il y avait des peintres hommes, des peintres femmes, les deux sexes étaient représentés, je dirais. Et c'est vrai qu'il y avait une grande partie des peintres de la manufacture qui étaient spécialisés dans le genre des fleurs. Pour conclure donc, je vous ai montré qu'il y a un registre qui est assez exceptionnel, déjà par son état de conservation, un rarissime document, peu vu, donc je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu être présenté au public lors de cette exposition qui finalement a été abordée. Et c'est vraiment un précieux témoignage aussi bien de la diversité et de la créativité hein, des décors à la manufacture de Sèvres dans les années 70, 80, 90. Et donc un précieux document que je vous invite vraiment à venir consulter à la manufacture, que Clotilde sort de temps en temps, notamment pour des artisans ou pour même quand on a des visites officielles. C'est vraiment un document assez, assez fabuleux et son état de conservation, la richesse de ses coloris est assez super. Il est en ligne, effectivement, c'est vrai, il a été numérisé, c'est pour ça que j'ai pris ces photos, et on peut le voir effectivement sur le site de la RMM. Merci. Merci à vous. Merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Je apprends aussi beaucoup de choses sur votre travail. La manière de gérer les archives. Et c'est vrai que ce sont des choses que le public ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que c'est très intéressant de savoir. On appréciera d'autant plus. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui, on a. Ouais. Deux choses à dire. Pour Madame Thérèse Assier, il y a une vingtaine d'années, un collectionneur avait 180 assiettes de serre. En œuvre une paire à faire à l'envers et a publié un article dans l'estampille montrant ses assiettes et justement un certain nombre de dessins de mémoire. Vous connaissez cette collection et cette étude? Non. Mais j'en ai vu beaucoup, donc peut-être que ça fait partie de ceux que j'ai vus. C'est ce que je. Et c'est pour ça que je vous citais au début le fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'articles qui ont eu recours au R182 pour illustrer leur article. Donc cet article-là, comme ça ne me dit rien, mais je l'ai probablement vu dans tous ceux que j'ai croisés. Pour préparer. Jean-Gabriel, vous le savez, avait fait de mémoire cet article et pour l'inventaire des collections, il doit avoir toutes les photos, les assiettes de ces 180. Ah oui, et de même, David Fett. Peters utilise beaucoup, et David Peters a eu recours aussi, a fait le même parallèle entre les assiettes et le décor. Oui, oui. C'est bien. Ben, merci, je vous remercie beaucoup. Madame, alors, on propose un dessin de deux véhicules. Oui. Est-ce qu'il n'a pas été fait pour l'exposition universelle qu'elle allait où Sèvres avait un pavillon? Je ne veux pas vous donner trop d'espoir, mais j'ai une assiette à décor imprimé, mais la manufacture de Sèvres. C'est peut-être le même que votre dessin. Ah, pour une exposition universelle, peut-être 1840. Il faudrait vérifier dans les archives, on a les archives. Là, il s'agissait du service des arts industriels. Et il s'agissait du service des arts industriels pour cette assiette. Vous pouvez envoyer une photo. Oui. Envoyer une photo. Oui, envoyer une photo au mail générique ressources.documentaire. Merci, un jour. On a dit bon pour l'amour de Sèvres. Ah, je n'avais pas besoin de faire cette campagne sur mon départ. Évidemment. Je crois bien que c'est des biens pour l'exposition de Sèvres. C'est de la faïence ou de la porcelaine? Non, une faïence. D'accord. Intéressant. Très bien. Parce que l'assiette en tant que telle du service des arts industriels est exposée au musée ou dans la galerie des savoir-faire. Ben oui, mais en porcelaine. Ben, c'est en porcelaine. Mais non, mais celle du musée est en porcelaine. L'assiette que l'on conserve avec ce décor est une assiette en porcelaine de Sèvres et elle est exposée au musée, dans la galerie des savoir-faire. Mais si c'est de la paillance fine, si c'est imprimé sur celle de monsieur, mais pas la nôtre. Mais non, mais c'est peut-être une copie. C'est probablement une copie. Probablement. C'est quelqu'un qui s'est amusé à copier le dessin sur une faïence fine. Voilà. Non, mais sur les faïences fines. Les décors imprimés à l'origine avaient bien un dessin
Bah, peut-être qu'ils ont repris le dessin. Ils ont dû reprendre ce dessin, oui, c'est possible. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Si c'est le même, je ferai un plaisir de prendre le minute. Volontiers, merci beaucoup. Il faut passer aussi maintenant pour les gens au stage. Ils sont obligés d'apprendre toutes les techniques. Bien sûr, j'ai fait juste. Bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Oui, là, j'ai montré juste un des éléments de leur formation, de clairement. Ouais. Non, mais là, ah, bah, sujet, oui, c'était les fleurs. C'était juste un détail de leur formation que je présentais, mais bien sûr, c'était juste un des aspects. Mais c'était très intéressant de mettre en valeur le travail des peintres actuels. Je trouve que c'était une très, très bonne idée. Oui, bravo. Alors, bravo, mesdames. Et merci infiniment. Merci infiniment. Merci à vous. De la collection, oui, on le refera, promis. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, on peut recommencer. Il faudra faire un cycle sur le travail dans les archives et les musées, parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont des choses que personne ne soupçonne finalement. Oui. Mais là, vous nous avez fait une démonstration de recherche très intéressante. Ça va donner des idées. Vous avez parlé du cabinet des anagraphes par rapport aux archives de distraction. La production en tant que telle et la manufacture. Après, on fait une distinction dans les fonds parce qu'on a une conservation un peu spécifique des dessins et qu'ils ont été rassemblés de manière sûrement non réfléchie. C'est vrai qu'on a séparé la production dessin de la production documentaire, archivistique. Après, c'est peut-être un non-sens pour l'histoire des archives. C'est un besoin de conservation. Voilà, c'est ça. Ça a été une mode aussi de se poser des questions là-dessus. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, voilà, donc, nous avons passé un moment très agréable. Et je voudrais vous rappeler, pardon. Une question sur le coût. C'est intéressant. Quand on voit c'est 18 livres, c'est ça représente quoi? J'ai lu 15 fois. On va regarder sur Google. On trouve la traduction. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je voulais vous rappeler le colloque qui est la semaine prochaine, 21, 22, 23, 21 à Sèvres et 22 et 23 à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris. Donc voilà, on est en plein boom d'organisation pratique. Après le côté intellectuel, il faut tout organiser. Donc, on sera très content de vous y retrouver. Et puis sinon, après, ça sera au mois de septembre pour les journées du patrimoine, pour une conversation céramique aussi au mois de septembre. Et puis après, on reprendra le rythme normal des cours d'histoire de la céramique. Dans le programme est pratiquement terminé. Donc voilà, petit à petit, on reprend les choses normales. Voilà, bien merci. Alors, vous venez vous restaurer. Voilà. C'est parti. Il y a une question. Madame, allez, après.